Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve en Bille Pro et c'est la dernière, je vous l'annonce live, c'est la dernière épisode qu'on va faire en Bille Pro cette année avec The Rock. C'est vraiment pas compliqué, je veux voir qu'est-ce qui arrive quand on va terminer une carrière en Bille Pro. Donc on va simuler, je me suis fait dire que c'était jusqu'à temps que t'aies 40 ans. À 40 ans, ta carrière prenait fin à l'instant, sans avertissement, sans rien. Donc j'ai mes petites feuilles de papier et on va prendre en note nos statistiques, nos points, juste pour être sûr, parce que je pense pas que les NHL sont aussi compétents pour nous garder un résumé de notre carrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant on va aller voir donc The Rock Jr. Si on regarde ses stats, on va y aller, on va prendre en saison et en série, et voilà une petite ligne. Et en saison, pour l'instant, le C, et là, on va sortir la calculatrice, on n'abusera pas, là. On va prendre les buts. Oh, en fait, je vais prendre les statistiques. Et ensuite de ça, là, je vais calculer entre les vidéos, calvaire. C'est compliqué. Bon, bref. On va simuler toutes les saisons. Je vais rien jouer. Je vais absolument rien jouer. Je vais juste simuler. À chaque fin de saison, je vais revenir et je vais dire, bon, ben, The Rock a fait tel point, tant de points, tant de points. Et je vais faire ça pendant les 15, les 17 saisons qui nous restent. Donc, ça va être quand même assez long. Mais je pense que ça va quand même bien se faire. On est avec Vegas, une équipe qui a fini dernier l'année passée. Donc let's go, on simule et on se retrouve à la fin de la saison. Et on va voir le nombre de contrats qu'on a aussi au cours des années. C'est enfin la fin de saison, 42-31-9 comme fiche. L'affaire, c'est que ça a pris une saison là, les boys, là, ça a pris 30 minutes. Je vous niaise pas, ça a pris 30 minutes et on a fait 55 points. Pas la meilleure saison pour The Rock et je pense que, honnêtement, le faire 30 minutes et il reste 15 saisons, ça va me prendre 7 heures faire ça, c'est pratiquement impossible. Donc, je pense qu'on va juste arrêter ça là. Honnêtement, la simulation de NHL, en plus on est sur la fucking 3e ligne, Rock The Rock a reconnu une bonne carrière, mais... Écoutez, ça va se prendre fin là-dessus, mais j'espère vraiment que vous avez apprécié. On a été quand même énormément d'épisodes, il y a de beaux moments, mais je pense que la simulation veut pas coopérer, le jeu non plus. De toute façon, à la fin, je me suis fait dire qu'à 40 ans, tu prends ta retraite, ça finit là. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Il n'y a même pas rien, même pas de retraite, même pas d'animation, ça me surprend pas. Donc, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Un nouveau BioPro sur NHL 20, espérons-le. Donc j'espère que vous avez apprécié. Merci encore à tout le monde d'avoir suivi Rock The Rock Jr. On a eu des très très beaux moments. Merci d'avoir été là. Bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye. Bonjour tout le monde. Ici Rock The Rock Jr. Et pourquoi Junior? C'est parce que en BioPro cette année, ça ne sera pas Rock The Rock normal, le père. Ça va être son fils, Rock The Rock Jr. 1 contre 1 devant le joueur. La belle fête, quelle fête! 1 contre 1, The Rock saisi à la pointe. Bourque. Fire The Rock, quel but! Let's go! Woo! Premier vrai but, on peut dire, pour The Rock et son deuxième du match. Et voilà! Les Owen Sounds avec 1.5 secondes. Vont réussir à aller chercher la coupe. Memorial n'auront pas perdu du tournoi. Let's go! Les Owen Sounds remportent la coupe Memorial. Wow! Et The Rock a donc gagné. The Rock Jr. a donc gagné la coupe Memorial. C'est la même célébration jusqu'à... C'est le moment repêchage de la Ligue Nationale. Début du repêchage. Vous avez été repêché par... C'est très poche. Mais bon, on a été repêché par 8, 9, 10e overall par les Oilers d'Edmonton. Let's go! Rock The Rock Jr. va aller remonter cette équipe-là et va arrêter. Il va faire en sorte que les Oilers vont arrêter d'être une joke pour la Ligue Nationale. Je suis à gauche, je n'ai pas checké le défenseur droit. Derek Stepan, devant Fisher, good job. Good job, Sekera, 2 contre 1. The Rock et Pouliou Harvey. La passe de Pouliou Harvey, son tir de but! Jesse Pouliou Harvey! Et c'est 1 à 1.
Et The Rock récolte son premier point dans la Ligue nationale. Toujours Jankowski. Non, non! Come on! Oh, allez chier, NHL! Oh, fuck off, man! Oh! Je veux juste aller en prolongation et t'accorde un but de même en fin de match. Oh, je décolle. Je pense qu'on va juste en faire deux. Bon, vous faites notre fierté. Le trophée Calder va trôner en bonne place dans la vitrine des Oilers d'Edmonton, croyez-moi. Vous avez su tirer le meilleur des joueurs et je tenais à vous féliciter personnellement au nom de toute l'équipe. Super boulot, ben good job. Good job The Rock, écoutez, ça a été le dernier épisode frustrant, mais là, on commence cet épisode-là du bon pied avec... Et c'est les Canadiens de Montréal qui ont gagné la coupe. Oh, Tarasenko, revirement, Strom, et The Rock s'amène seul. The Rock en échappé. The Rock, entre les jambes, et le but! Rock The Rock, call me Barkov. Here we go, 6-1. Il donne un show. The Rock donne un show, my God. The Rock, Atkins venait de frapper, mais il avait tellement de bonnes chances de compter. Oh, come on, oh non, j'ai simulé, j'aurais pas fallu. Et les Oilers, et les Oilers, je m'étouffe. Let's go, les Oilers. Connor McDavid, Cam Talbot, Kajula, Don Lenders, Puljuhvi. Oh, Ryan Nugent Hopkins, Ryan Strom. Mais ouais, et oh, let's go. J'ai plus de voix, c'est l'enfer. Qui d'autre que The Rock pour gagner le trophée Conn Smythe? Et qu'on est beau en plus. Et voilà, Conn Smythe. Et good job pour Yavi, pas à The Rock contre-attaque. Un contre deux. Doc s'amène. Doc, quel fight! Passe! Oh my god, no way! No fucking way! What a goal! What a highlight reel! Oh my god! Ça, c'est de loin le plus beau but que j'ai fait dans ma carrière. Wow! Quel but! Ok, c'est tout nul là. Wow, j'en perds mes mots. J'espère que l'organisation va comprendre. En fait, elle a pas le choix. Donc, je demande une transaction. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, Rock The Rock Jr. a demandé ou va demander une transaction, donc demander à être échangé. Vous avez été échangé, les Penguins de Pittsburgh nous ont fait parvenir une offre d'échange difficilement refusable étant donné que vous faites partie de la transaction. Nous tenons à vous en informer avant que les médias ne diffusent l'info. Les médias le savent déjà que je voulais être échangé. Et les Penguins sont vos champions de la Coupe Stanley! Ça n'aurait pas été facile, mais oh qu'on le mérite! Et les Sidney Crosby, Chris Letang, Evgeny Malkin, tous ces gars-là, ces vétérans qui, pour la dernière fois probablement de leur carrière, vont la soulever, cette fameuse, cette précieuse Coupe Stanley-là. Matt Murray a encore prouvé qu'en série était intraitable. Phil Kessel va pouvoir manger des hot dogs et des hamburgers dans sa Coupe Stanley. On l'a pas vu serrer la main, mais Rock The Rock Jr., pas le plus beau des bas, pas le plus beau des garçons, mais 41 points plus 28, 41 points, numéro 98, gagne le Conn Smythe pour une deuxième année d'affilée. Les Penguins. J'ai du nouveau sur votre contrat, jetez-y un œil. Je n'ai trouvé que deux équipes intéressées par vos services. Le contrat le plus long que j'ai pu négocier, c'est sur 2 ans. Donc, NHL, votre logique, The Rock, 115 points, 60 buts. 50 passes, 55 passes, en tout cas, bref, 115 points, 41 points en série, deux fois gagnant de la Coupe Stanley, deux équipes qui veulent m'avoir dans leur équipe, les Penguins. Donc j'espère que vous allez apprécier, merci encore à tout le monde d'avoir suivi Rock The Rock Jr., on a eu des très très beaux moments, merci d'avoir été là, bonne continuation, à la prochaine, ciao, bye!